Septième partie, Dendera, l'aube de l'astronomie. La culture égyptienne s'est façonnée autour d'une série de temples religieux construits sur des sites soigneusement choisis le long du Nil. Pour les prêtres égyptiens, toute forme de l'univers qui se manifeste a besoin d'une structure qui puisse la recevoir afin de lui permettre de se développer. Les temples remplissaient cette fonction et permettaient la diffusion de leur culture. Chaque temple représentait un niveau différent du savoir. Ils avaient pour vocation de transmettre à la société leurs principes de base et leurs vérités. Chaque temple agissait comme un organe différent, doté d'une fonction distincte, visant chacun à enseigner et à explorer un sujet religieux différent. C'est ainsi qu'étaient conçues les maisons des dieux. Durant des milliers d'années, les frontières du royaume des pharaons, disciples des prêtres de l'œil d'Horus, ont été respectées par tous les empires d'Asie. L'Égypte n'a jamais cherché à étendre ses terres, un refuge au cœur de l'anarchie universelle. Sa chute commence lorsque les grands prêtres, derniers des grands initiés, disparurent en traversant la mer Rouge à la suite de Moïse. Ce processus s'acheva dans le chaos, la destruction des temples et le massacre organisé par Cambyse II de Perse. Après la mort de Cyrus, le plus grand dirigeant d'Asie qui entretenait avec l'Égypte des relations pacifiques et respectueuses, son fils Cambyse II hérita du trône et de la plus grande armée du moment. C'était un tyran cruel et sans pitié, qui haïssait la sagesse, la stabilité et le pouvoir des pharaons. Obsédé par le désir de prouver que son dieu était plus puissant, il envahit l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ. Il tua Psamméticus III, le dernier pharaon d'Égypte légitimement né, ainsi que la plupart des prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus. Les temples furent exposés à la ruine et leurs papyrus furent brûlés, emportant avec eux la sagesse conservée durant des générations. La connaissance s'était muée en ténèbres et la sagesse des Égyptiens disparut avec ses grands prêtres. Cambyse II instaura durant 200 ans une dictature cruelle qui prit fin en 332 avant Jésus-Christ avec l'arrivée d'Alexandre le Grand. Les Égyptiens l'accueillirent comme un sauveur. Alexandre ordonna la reconstruction des temples. À sa mort, Ptolémée Ier, l'un de ses généraux, fut le premier souverain des dynasties ptolémaïques qui allait gouverner l'Égypte pendant près de 300 ans. Le temple de Hathor à Dendera, qui existait déjà depuis 5400 avant Jésus-Christ, fut reconstruit par les rois macédoniens comme une manifestation légitime de leur pouvoir. Dans l'une des cryptes souterraines, des hiéroglyphes montrent qu'il fut reconstruit en accord avec les anciens plans conçus par Imhotep. Le complexe religieux de Dendera est situé à 26 degrés de latitude nord. C'était le point de départ d'une ancienne route qui conduit à la mer Rouge. Thèbes fut construite plus tard, un peu plus au sud. À l'aube de leur civilisation, par une nuit étoilée du solstice d'été, en un lieu soigneusement choisi pour sa correspondance avec les étoiles, ils dirigeaient une cérémonie nommée Putser.
Les pharaons d'Égypte et les grands prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus, entourés des gens du peuple, découvrirent un groupe d'étoiles au-dessus du pôle Nord. Ils l'appelèrent la constellation de Touéris. Elle était représentée sous la forme d'une femelle hippopotame enceinte. De nos jours, on appelle ce groupe d'étoiles la constellation du dragon. Elle est symbolisée par un serpent. L'étoile la plus brillante était Alpha Draconis, située alors exactement sur l'axe de rotation de la Terre. 4320 années plus tard, elle fut remplacée par Polaris, l'étoile polaire qui guide aujourd'hui les marins. Durant le déplacement du système solaire autour du centre de la galaxie, cycle qui s'étend sur 25 920 années, 6 étoiles différentes brillent au-dessus du pôle. L'étoile située juste au-dessus du pôle représentait la force élémentaire maternelle, créatrice de la substance qui permet le développement de la vie. Hathor, le principe féminin à qui ce temple était consacré. Le pharaon et les grands prêtres déroulaient une corde entre deux piquets orientés en direction d'Alpha Draconis. La prêtresse du temple enfonçait les piquets dans le sol, marquant ainsi l'axe futur du temple, véritable colonne vertébrale qui organisait ensuite ses sanctuaires. Il disposait des pierres aux quatre coins du futur mur d'enclos, un mur élevé conçu pour maintenir éloigné l'ennemi de la vie qui cherchait à se perpétuer dans l'éternité. Au nord, il plaçait l'entrée principale, la dernière d'une série de porches qui partait de la chapelle intérieure et encadrait la partie du ciel où culminait Alpha Draconis, facilitant par conséquent sa localisation de nuit et la mémorisation de ses mouvements. Cette même nuit, ils découvrirent à l'est une autre étoile, située à 90 degrés de la précédente. Ils l'appelèrent Sirius, symbole d'Isis. Ils marquèrent en son honneur l'axe d'un second temple qui détermine la seconde entrée du complexe. L'entrée du temple d'Isis encadre le point où Sirius apparaissait et où le soleil se levait le 21 juin au solstice d'été. Le temple grandissait pendant que les prêtres répertoriaient le mouvement des étoiles et étudiaient les processus découlant de leur énergie. Ils gravèrent leurs conclusions sur les murs. Sirius, symbole d'Isis, était appelé l'étoile du chien, à la suite de la constellation d'Orion, représentation d'Osiris. Après être restée cachée durant 120 jours, elle réapparaissait, annonçant la crue du Nil. Elle restait visible durant 40 jours, durée de la crue. Sa représentation fit de Sirius une figure très importante en Égypte, qui divisait l'année en trois saisons nommées tétramènes, elles-mêmes déterminées par la crue du Nil. Les fêtes annuelles commençaient au moment de la montée des eaux du Nil et l'apparition de Sirius dans le ciel marquait cette date importante. Quand l'étoile disparaissait, la rivière retrouvait son niveau habituel. La synchronisation de la vie égyptienne avec le soleil et les étoiles était si importante qu'à son entrée en fonction, le pharaon devait jurer qu'il ne modifierait jamais les dates fixées par le calendrier. Cependant, comme le jour de l'apparition de Sirius dépendait de la latitude du temple, l'événement avait lieu 7 jours plus tôt à Éléphantine, située au sud, qu'à Bubastis, dans le nord. «
Par conséquent, les prêtres utilisaient aussi le soleil comme une montre, afin de déterminer la longueur de l'année, puisque le solstice d'été coïncidait avec le retour de Sirius. À Dendera, face au temple d'Isis, Sirius apparaissait tout d'abord à l'horizon, puis le soleil se levait. À l'aube du solstice d'été, Sirius et le soleil marquaient le début de la nouvelle année sur une montre cosmique. Au cours d'une cérémonie qui avait lieu sur le toit du temple, ils allumaient un nouveau feu pour le pays tout entier. Pour entrer dans Dendera, il faut traverser une série de constructions datant de l'époque des empereurs Trajan et Domitien. Plusieurs renfoncements, encastrés dans les murs massifs de protection, sont situés de part et d'autre de l'entrée nord. Depuis l'entrée vers le fond, on voit les six colonnes attoriques et la façade massive du temple principal, orientée au nord et consacrée à l'étude des étoiles. Proche de l'entrée du complexe, se trouve une chapelle consacrée à la naissance d'Horus. Elle fut construite par les Romains durant le règne de l'empereur Auguste. C'est là qu'ils célébraient le moment de l'illumination quand, symboliquement, Isis donne naissance au fils d'Osiris. Sur les murs, on observe des scènes d'amour entre Isis et Osiris, la naissance de son fils, Horus, et sa présentation sur le tour de poterie quand Dieu le façonna. Sur les chapiteaux des colonnes, on trouve des bas-reliefs du dieu Bès, protecteur des femmes enceintes et qui aide les naissances. Au sud de cette chapelle se trouvent les ruines d'une église chrétienne construite au 5e siècle après Jésus-Christ, une époque où les visages des personnages sacrés étaient soigneusement effacés des murs des temples. Près du temple principal se trouvent les ruines d'un sanatorium où les malades venaient chercher la guérison. Les prêtres du temple utilisaient leurs connaissances de la médecine pour aider les gens dans la dimension matérielle. Hathor, la force féminine qui multiplie la vie, était révérée comme une figure de compassion. Les gens parcouraient de longues distances pour venir prier dans son temple, se baigner dans ses bains sacrés, recevoir les médicaments et les soins nécessaires. Le complexe de Dendera pouvait accueillir des milliers de personnes. À l'intérieur de ses murs, il y avait d'autres constructions, comme des boulangeries, des échoppes de bière, des cuisines, des entrepôts, des granges, des pièces réservées aux prêtres et aux initiés, toutes placées dans des centaines de tombeaux comme celui-ci, face au Ramesséum de Thèbes. Tout autour de cette enceinte, à l'extérieur, les gens construisaient leurs demeures, développant ainsi des noyaux de population protégés par les gardiens du savoir, les prêtres de l'œil d'Horus. La conception de la façade du temple d'Hathor est différente de celle des temples traditionnels d'Égypte. Ces colonnes sont reliées à la moitié de leur hauteur par des murs richement ornés. On y accède par les 18 colonnes de la salle de la vie qui soutiennent un plafond très élevé, entièrement couvert d'informations sur les étoiles et leurs déplacements, gravées dans la pierre. Représentation de la voûte céleste, symboliquement soutenue par les colonnes d'Hathor.
Les colonnes ont la forme d'un sistre, instrument sacré, qui fait vibrer une série de disques métalliques. Cet instrument, utilisé par les prêtres d'Hathor, patrons de la danse et de la musique, produisait une vibration qui engourdissait la conscience. Les chapiteaux sont ornés de gravures d'Hathor, chacune d'entre elles orientée vers un point cardinal en témoignage de sa force perçue par le monde. Ses yeux de serpent et ses oreilles de vache, symboles de maternité et d'alimentation, lui confèrent presque l'aspect d'un extraterrestre. De nombreuses légendes l'associent à Vénus. Le temple, qui resta caché sous le sable durant des milliers d'années, fut découvert en très bon état par les troupes de Napoléon. Il devint un refuge pour les tribus nomades qui finirent par noircir de fumée le magnifique plafond. Sur le plafond de cette salle, les derniers prêtres de Dendera gravèrent les tables d'astronomie conservées et conçues par plusieurs générations de prêtres afin que ce savoir ne disparaisse jamais. Ici, toutes les constellations des signes du zodiaque sont représentées, dans leur barque symbolique, avec des images de Nut, le symbole des cieux, qui chaque nuit dévorait le soleil et à l'aube lui redonnait naissance. Afin de les préserver pour les générations futures, les prêtres transcrivirent sur les murs de ces temples certains papyrus importants, tels que les tables d'astronomie qui survécurent à la destruction de Cambyse. Dans cette salle, appelée la maison de la vie, les scribes façonnaient et travaillaient les traités de théologie, les prières rituelles et les tablettes des rapports astrologiques sur du papyrus sacré. L'art, la théologie, la magie, l'astronomie et la médecine étaient enseignés dans cette salle aux disciples de l'école des mystères. C'est ici qu'ils enregistraient le changement régulier des constellations polaires selon le rythme des équinoxes. Par cette vaste salle, on accède à la salle des apparitions, une pièce plus basse, soutenue par 6 colonnes, où la statue en or de la déesse Hathor surgissait des ténèbres du sanctuaire lors des cérémonies et des processions. Dans la partie supérieure, on trouve les chapelles dédiées à Osiris, symbole de l'évolution progressive de chaque homme à travers ses réincarnations, qui, partant d'un état originel animal, devient surhomme. L'une des chapelles présente le célèbre zodiaque de Dendera, qui montre comment ce processus se met en place tout au long du voyage du système solaire autour de la galaxie. L'autre illustre le mythe d'Osiris. Autour de cette salle se trouvent 6 pièces que l'on utilisait pour les rites quotidiens. La première abritait les objets utilisés durant le culte. La salle des purifications, avec sa porte d'accès au lac sacré, était utilisée à l'aube par les prêtres lors des rituels de purification. Les temples possédaient un lac sacré, creusé juste au-dessus du niveau phréatique, entouré de pierres et doté d'une série d'escaliers permettant aux prêtres d'entrer dans l'eau et de se purifier avant les services du temple. On arrive ensuite dans la salle de service. Elle donne accès au vestibule à escalier circulaire qui conduit au toit, lieu où ils observaient de nuit la voûte céleste. À gauche,
La salle du fond s'ouvrait sur l'extérieur pour recevoir les offrandes journalières déposées par les gens du peuple et dédiées à leur chef spirituel. La nourriture et les bêtes destinées au sacrifice étaient conservées et préparées dans les deux autres pièces. Depuis la salle des apparitions, on rejoignait le vestibule aux deux escaliers. L'escalier circulaire situé sur la droite était utilisé durant les processions pour porter jusque sur le toit la barque d'or contenant la statue d'Hathor dans l'attente du lever du jour au solstice d'été. C'est le symbole de l'escalier de la lumière, chaque tournant de la vie sur l'échelle de la conscience, la matière s'élevant vers l'esprit. Sur la gauche, il y a un long escalier droit qui servait à descendre en procession le feu nouveau. L'escalier droit représente l'esprit qui descend sur terre afin de condenser dans la matière et dans la vie de nouvelles expériences qui permettront de comprendre l'univers. Par cette entrée, on accède à l'antichambre du sanctuaire. C'est là que brûlait le feu, instrument des dieux, première substance de l'univers, manifestation la plus élémentaire de la matière. C'est là que l'on faisait des offrandes à Hathor, principe féminin, créateur de la vie dans l'univers. À gauche de cette salle se trouvait la chapelle renfermant la barque d'or, un sanctuaire mobile, symbole du déplacement physique du soleil. Cette barque transportait la figure d'Hathor. Au cours d'une procession colorée, le long du Nil jusqu'au temple d'Horus à Edfou, tout proche, pendant la nuit de la pleine lune du troisième mois d'été, au cours des fêtes de la belle rencontre. Un espace à ciel ouvert menait également à l'antichambre du sanctuaire. En face se trouvait la fameuse chapelle pure, ou Ouabet. Les figures symboliques étaient transportées dans cet espace ouvert, pouvant ainsi renouveler leur force grâce à l'énergie solaire. Plus on descend vers les profondeurs, plus le temple s'assombrit, les plafonds sont plus bas et ses portes plus étroites. Le sol devient plus élevé afin de voir clairement l'étoile Alpha Draconis depuis le sanctuaire, au-dessus des têtes des membres de la cérémonie. Et finalement, dans la profondeur du temple, dans l'axe principal se trouvait son cœur, la chambre la plus sacrée, le foyer d'Hathor. Sa statue en or, symbolique chair des dieux, aux yeux de pierre semi-précieuse, était conservée dans un petit tabernacle. Seuls le pharaon et les grands prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus pouvaient accéder à cet espace, après une intense cérémonie de purification par les eaux. Les Égyptiens comprenaient que, comme tous les êtres de l'univers, Dieu possède une dimension masculine, d'où l'information se diffuse, et une dimension féminine qui reçoit cette information, afin d'engendrer toute forme de vie. Ils attribuaient trois noms au Dieu masculin. Atum, quand il n'avait pas encore créé l'univers et n'était pas encore matérialisé. Ptah, quand il crée l'univers, les étoiles, les planètes et leur règne naturel.
et Amon-Ra quand il crée la conscience humaine. De même, ils attribuaient trois noms à sa dimension féminine. Nun était la substance homogène, virginale, sans forme, en équilibre parfait, le liquide amniotique de l'univers non manifesté. Sekhmet était divisé en deux forces opposées qui la transformaient en une substance flamboyante, le feu, principe multiplicatif en mouvement qui créait Nefertum, l'univers qui harmonise temporairement les forces en opposition. Le feu produit le mouvement, le temps, l'espace et sa force coagulante. Il produit l'état de la matière, l'eau, l'air, la terre, et finalement, la force de la vie, substance qui crée et multiplie les consciences, l'expérience, le temps et l'espace, et qui était représentée par Hathor. Son nom était Mut, quand elle crée les quatre forces qui dirigent l'évolution de la conscience de l'homme. Ces quatre forces sont Osiris, Isis, Set et Nephthys. Hathor est donc la barque de la vie, la barque de la lumière. Elle représente l'amour, la grande matrice de la conscience dans l'univers, la barque du Nord qui contient le principe de nature. Ici, dans son tabernacle, Hathor, la force de la vie, recevait les prières de ceux qui voulaient prolonger ou soigner la vie. Autour du sanctuaire, le long d'un vestibule et contre les murs extérieurs du temple, il y avait une suite de chapelles, pièces sacrées dédiées à toutes ces forces primordiales. Elle pouvait être identifiée depuis l'extérieur grâce aux symboles sacrés gravés sur le mur. Ainsi, le peuple à qui l'accès au temple uniquement réservé aux prêtres et aux initiés était interdit pouvait prier les forces primordiales de l'univers. À droite de la chapelle d'Hathor, deux chapelles communicantes étaient consacrées à Amon-Ra, Dieu unique, créateur de la conscience humaine, celui qui est en tout. Ces symboles étaient également représentés sur le mur extérieur. Les deux chapelles communicantes situées sur la gauche étaient dédiées aux forces primordiales de Basse-Égypte, toutes liées à Hathor et à son instrument de musique, le sistre. Sur la droite, quatre chapelles étaient dédiées à Horus, Sokar, Isis et au gnome de Dendera, saint patron de la région où se situe le temple. Une autre chapelle renferme le collier Menat, utilisé par le grand prêtre au cours des cérémonies et processions, avec quatre figures d'Hathor, chacune d'entre elles étant surmontée d'un trône symbolique. Ces quatre trônes représentent les forces suprêmes de l'univers, amour, sagesse, la force infinie de l'harmonie et la volonté divine. Au-dessous de ces pièces, il y avait une suite de cryptes où l'on conservait les objets les plus sacrés, des peaux couvertes d'écrits et des papyrus relatifs à la révélation de ce temple. La crypte possède de mystérieux reliefs dans lesquels Horus porte une sorte de fleur renfermant un serpent. Des théories scientifiques déclarent qu'il s'agit des lampes qu'ils auraient utilisées pour éclairer les pièces souterraines et les bâtiments.
En empruntant l'escalier droit, on accède au toit, espace consacré à l'observation de la voûte céleste. À l'angle sud-ouest, se trouve l'habitacle où les prêtres attendaient, à la nouvelle année, l'apparition des étoiles et du soleil, éclairant de leurs rayons le feu nouveau. Les prêtres se retrouvaient de nuit dans cet abri et divisaient la voûte céleste en secteurs, afin d'identifier ses mouvements et ceux de la planète. Les prêtres de Dendera étaient appelés Kabirim, les mesureurs du ciel. Ils dessinèrent la première carte céleste, sur laquelle étaient inscrites les positions des Mazaroth, feu du ciel. L'astronomie démarre à Dendera. Astro signifie étoile. Astronomie signifie logos ou connaissance des étoiles. Par ce toit, on accède aux deux chapelles d'Osiris, le principe divin de l'évolution de l'être humain à travers le processus de la réincarnation. Son mythe est dépeint ici. Son frère, Seth, souhaitant s'emparer du trône et de sa femme Isis, découpa son corps en 14 pièces et les dispersa dans toute l'Égypte. Les bas-reliefs montrent comment Isis, après avoir rassemblé toutes les parties de son corps, flotte dans les airs sous la forme d'un faucon, se pose sur le pénis d'Osiris et tombe enceinte au cours d'une union spirituelle, donnant ainsi naissance à Horus. Sur le plafond de la seconde chapelle se trouve le zodiaque de Dendera, un immense relief de la sphère céleste autour du pôle nord tel qu'il se présentait en l'an 700 avant Jésus-Christ, à minuit, durant le solstice d'été. C'est une réplique de la dalle originale qui fascina Napoléon quand il en découvrit le sens profond. L'original est, de nos jours, conservé au musée du Louvre, à Paris. Dans une chapelle similaire, à cet endroit précis, durant des milliers d'années, les prêtres de l'œil d'Horus mirent périodiquement à jour une carte du ciel semblable à celle-ci, couchée sur un papyrus. À chaque solstice d'été, durant des milliers d'années, ils marquèrent la position du système solaire et de la Terre. Les prêtres qui purent survivre à Cambyse II de Perse gravèrent pour la postérité un bas-relief qui fut sauvé de la destruction et qui contenait l'une des plus récentes mises à jour de la carte céleste telle qu'on pouvait la voir en l'an 700 avant Jésus-Christ, durant le règne du pharaon Taharqa de la 25e dynastie. La sphère céleste est soutenue par 8 figures agenouillées d'Horus et 4 représentations d'Isis. Un anneau de hiéroglyphes unit cette composition symétrique. Initialement, la sphère céleste était peinte en bleu, soulignant les figures symboliques. Les bâtons de 4 figures indiquent un point proche du centre de la sphère. Saturne, père des planètes, Jupiter, Mars, et Osiris, représentant la constellation d'Orion avec sa partenaire, l'étoile Sirius, qui personnifie Isis. Ils indiquent la poitrine de Touhéris, la mère hippopotame à la queue de crocodile et aux pattes de lion, qui règne sur la sphère et représente la constellation que l'on appelle aujourd'hui constellation du dragon. Son étoile appelée Alpha Draconis brillait au-dessus de l'axe de rotation de la Terre.
L'axe du temple est orienté à 71,5 degrés au nord-est. Ces porches encadrent la zone du ciel où brillait l'étoile polaire Alpha Draconis, marquant le sein de la femelle hippopotame dans la sphère. Sur le côté se trouvait la constellation du Chacal Rouge, avec l'étoile Mizar, située sur sa patte avant, la version égyptienne de la constellation de la Petite Ours, avec l'étoile que l'on appelle aujourd'hui Polaris. Alpha Draconis, sur la poitrine de Touéris, est en dehors du centre de la sphère, indiquant la distorsion nécessaire au mouvement elliptique de l'univers qui fait que l'étoile polaire s'élève au-dessus de l'axe terrestre. Polaris est au centre de la sphère. L'étoile polaire, autour de laquelle la voûte céleste semble tourner, était très importante pour les Égyptiens. Elle représentait l'énergie sur l'axe de rotation de la Terre, sur sa colonne vertébrale, qui structurait les organes de tout être vivant, qu'il soit insecte, homme ou planète. Durant le règne de Snéfrou, longtemps avant la construction de la Grande Pyramide, les prêtres avaient prédit que lorsque Polaris remplacerait Alpha Draconis, cela marquerait la fin de leur civilisation. Le papyrus de Néfer-Rohu le confirme. Le temple d'Hathor était orienté de telle sorte qu'il puisse rendre compte des constellations situées autour de l'axe de rotation de la Terre. Les six constellations polaires, dont l'énergie est plus durable et a un effet plus direct sur notre planète que les constellations du zodiaque. À une époque où le jour et la nuit étaient perçus comme la vie et la mort, la zone du ciel située au-dessus du pôle, là où les étoiles étaient toujours visibles, contrairement à celles qui brillent et disparaissent, représentait les forces de l'obscurité que la lumière du soleil faisait disparaître. L'obscurité primordiale, mère des ténèbres, l'espace vide, le chaos, était représentée par cette femelle hippopotame rouge. Quand les hippopotames sortent de l'eau, ils répandent un liquide rougeâtre. Quand le Nil montait et recouvrait les terres, il prenait une couleur rouge, en raison de l'oxyde de fer qu'il contenait. Le rouge est le symbole de la source matricielle. À côté se trouvent les autres constellations polaires, comme celle de la Patte, avec son étoile Mesquette, qui se nomme aujourd'hui constellation Céphéus, et son étoile Alphirque, et la constellation d'Hercule. À partir de l'étoile polaire, il divisait le ciel en 12 secteurs principaux de 30 degrés chacun. Les constellations qui contenaient les décans, un ensemble de 36 étoiles très lumineuses traversées par le système solaire. En traversant chacun de ces 12 secteurs, le système solaire, tout comme les hommes, recevait une influence énergétique différente, qui facilitait le processus d'évolution chez les êtres incarnés. Afin d'expliquer quel était le processus qui s'engageait selon chaque constellation, il les représentait sous la forme d'un animal qui exprimait différents degrés de conscience sur la route de la réincarnation qui conduisait à la sagesse, à travers l'expérimentation, dans un univers où règnent des extrêmes qui s'opposent, comme la lumière et l'obscurité. C'est le cercle des animaux, ou le zodiaque. Le crabe du Cancer représente le moment où je sens. L'animal qui rejoint son bassin pour digérer sa nourriture spirituelle quand la conscience manque d'assurance et commence son évolution, faisant pour la première fois l'expérience de ses sens. Les jumeaux du Gémeaux symbolisent le moment où « je pense », le désir d'apprendre et d'explorer avec la dualité nécessaire à la recherche de la vérité, du savoir et de l'expérience, à travers des expériences contrastées et opposées. «
Le taureau réveille la maternité chez les femmes. Il est le symbole du moment où je possède. Les possessions matérielles, les racines qui permettent au sol de recevoir le pouvoir de la vie et de produire des graines, c'est la fertilité. Le bélier représente le savoir de l'être, le moment où je suis, la force qui fait face aux épreuves et transforme la roche en cristal, la matière qui s'autocontrôle et devient transparente, le pouvoir de procréation qui met la vie en mouvement, le printemps. Le poisson encourage le processus et représente le moment où je crois, l'acquisition de la foi. On plonge dans la conscience pour trouver l'origine de la parole et des actions. Dans le Verseau, la conscience irradie grâce au savoir acquis par les Gémeaux. Ils transportent les eaux de l'esprit libre vers des mondes lointains, symbolisant la connaissance. Le Capricorne se sert de ce savoir. Il exprime le moment où j'utilise et concentre la matière jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Dans l'ère du Sagittaire, le moment du je vois est le moment où la conscience en évolution a grandi pour dépasser sa nature animale. Le Centaure, dont la conscience est orientée vers le divin, est le pouvoir spirituel de la pensée, la sagesse de l'âge. Le Scorpion symbolise « je veux ». C'est un animal capable de se tuer lui-même avec son propre poison. L'expérience nous donne à comprendre que l'univers est parfait et que nous possédons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. La Balance exprime « je garde l'équilibre ». Nous apprenons à céder, à être flexible, à atteindre l'harmonie. Toute expérience a son poids et nous n'en conservons que le plus important. La Vierge représente « j'analyse ». Nous récoltons la moisson, maternité universelle. Nous apprenons à penser avant de parler. Et finalement, le lion, symbole de « je peux », roi des animaux, majestueux père du zodiaque, force du feu qui a éprouvé toutes les vérités par l'expérimentation du résultat de ses décisions dans des millions de situations à travers de nombreuses réincarnations. Ici, l'homme cesse de s'identifier à ses instincts animaux. Sa conscience n'est plus le réceptacle de ses passions incontrôlées. Il quitte le cercle animal. Le lion se projette en Cancer, la porte vers la nouvelle échelle de l'univers, où nous devrons vivre des situations impliquant davantage de responsabilités. Ces responsabilités nous guideront sur le chemin qui conduit vers d'autres types de conscience, sur la voie de l'épanouissement et qui nous ramène auprès de Dieu. Le processus d'évolution arrive à sa fin lorsque l'on a reçu les 12 énergies, au cours de nombreuses réincarnations et que nous avons fait l'expérience des processus qu'elles ont engendrés. Le signe du zodiaque sous lequel un homme meurt est celui sous lequel il renaîtra. Il fait l'expérience de différentes personnalités et de l'influence de différentes forces pendant que le système solaire poursuit sa trajectoire. Aujourd'hui, nous appelons ce parcours « précession des équinoxes », mais nous ne comprenons pas son sens dans notre propre processus d'évolution. Pour le monde occidental, l'épanouissement spirituel basé sur le processus de multiples réincarnations n'existe pas.
Cette carte céleste est la preuve du savoir astronomique et philosophique des prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus. Ils observèrent la vie dans l'univers, comme le processus de transformation d'un animal ignorant en un surhomme sage. En empruntant l'escalier qui s'élève le long d'un mur richement orné de hiéroglyphes, nous atteignons le temple. Nous pouvons observer les orifices où les prêtres plantaient les instruments qui leur servaient à saisir de façon adéquate le mouvement des étoiles. Le temple d'Hathor permet d'enregistrer le mouvement des étoiles polaires et en 4320 avant Jésus-Christ, il enregistra également le remplacement d'Alpha Draconis, situé au-dessus du pôle Nord, par Polaris, qui guide aujourd'hui les marins. C'est sur ce toit que, durant de nombreux solstices d'été, se déroulaient les cérémonies de la nouvelle année égyptienne. La barque d'Hathor, principe multipliant de la conscience, expérimentant le temps et l'espace, était déposée sur ce toit. Là, les premiers rayons du soleil, annoncés à l'horizon par l'apparition de Sirius, allumaient le feu nouveau, force qui mettait l'univers en mouvement, créant un espace où la conscience pouvait apprendre le sens de l'amour grâce à l'existence de la peur.